Alors, IBM est présent à cette session de l'EPITA parce que nous aimons les écoles de passionnés et l'EPITA, c'est une école de l'informatique et de gens passionnés et c'est ça qu'on a besoin dans le futur. Ma conférence avait pour thématique le futur de l'informatique avec deux axes, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, qui sont les deux grandes révolutions à venir dans notre industrie. Watson, c'est notre logiciel d'intelligence artificielle que l'on personnalise par métier. Par exemple, comment transformer l'industrie de la santé, reconnaître les IRM, détecter des maladies, en entraînant des logiciels capables d'assister l'humain. C'est vrai pour la santé, c'est vrai dans la maintenance d'équipements industriels, c'est vrai dans la météo. C'est finalement l'homme augmenté par la capacité à traiter des volumes de données gigantesques par Watson. Le rôle de l'ingénieur évolue, il doit à la fois maîtriser les technologies et il doit comprendre et dialoguer avec le métier. Ce qui nous intéresse, c'est des gens qui sont capables de faire les deux, maîtriser ces technologies, l'EPITA l'apprend, et puis aussi aider à changer et transformer les métiers de nos clients. Notre vision, c'est que l'homme garde ses spécificités. Ses spécificités, c'est la créativité, l'empathie, l'imagination, la morale. Et la machine, elle a la capacité à raisonner sur les données, à donner cette information synthétisée à l'homme, mais c'est in fine, c'est l'homme qui décide.